Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Crazyp, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre Let's Play sur Uncharted 3. Et voilà, on s'était laissé ici, donc du coup c'était un petit piège de ces trois-là. Alors il y a Sullivan, Drake et Charlie. Et du coup on les a bien eus, on a encore la bague. Ah oui, mais vous savez qu'il était un petit peu... je sais plus comment on appelle ça. C'est quoi ton problème ? Un petit trésor ici, je me souviens plus comment on dit, mais enfin il aime pas être dans des espaces étroits. Alors c'est, je crois pas que ce soit claustrophobe. Là, on peut passer par là. Mais en tout cas, enfin bref, c'est pas bien grave. Sinon, avec des... Effectivement, pourquoi se prendre la tête à passer par au-dessus quand on peut passer. Allez. Je m'en occupe. Vous m'aidez pas alors, c'est pas grave. On a pas toute la nuit, oui, bah bouge-toi un peu, t'as qu'à venir m'aider toi, t'es marrant. T'as un gros baraque et c'est moi qui fais tout. Courir. On dirait que la voie est libre. Tu devrais plus faire gaffe à ta tête, tu sais. Salut les gars. Salut. Vous avez pris une sacrée raclée. Ah, c'était quelque chose, Chloé. Ouais, ça s'est passé nickel. Je te trouve bien calme. Qu'est-ce qui se passe? Oh ben, Charlie s'est un peu trop fait plaisir avec moi. J'ai les oreilles ici. C'est pas vrai. Un cerveau entre les deux, ça aide. Oh, on dirait que j'ai raté le meilleur. Ouais, c'est dommage. C'était très, très cathartique. Trop marrant. Et de ton côté? Non, pas de soucis. Et t'es sûr qu'il t'en pas repéré? Impossible. Bon, derrière quelle porte se cache le méchant? Derrière celle-là, là-bas. La verte. Ils sont rentrés, il y a des plombs, mais j'ai rien vu depuis. Il serait toujours là? Eh bien, je ne l'ai pas quitté des yeux. Et personne n'est entré ni sorti. Mmh. Tu crois que c'est vraiment nécessaire, c'est vrai? C'est pas comme s'ils nous attendaient. Ne sous-estime pas ces types, ils rigolent pas. Et on va juste entrer et sortir. On reste pas. Ouais, si tu veux. Mais si ça tourne mal, tu tires d'abord et tu poses les questions ensuite, d'accord? Ouais, moi je suis comme ça, mais dès qu'il y a un problème, je tire. Je vais ramasser cette mallette et je serai parti. Ouais, t'as du mal à cacher ton jeu, vieux. Eh, crois-moi, c'est rien comparé à ce qu'on cherche. Ouais, ben à mon âge, il vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Oh. Qu'est-ce que je t'avais dit? Oh, ça va. Bon, j'espère juste que t'avais raison là-dessus. Ça fait un peu gang de racailles, là. Attention, les gars, on arrive, on va tout péter. Qu'ils sont encore là. Bon. Laissez-moi, je sais où faut aller. La porte d'entrée pour le savoir. Remontez. Bon, on a mieux à faire que de rester planté là. Essayez de rentrer, moi je sais que c'est par là qu'il faut aller. Allez, grimpe. Saute. C'est bien. Ouais, désolé. Allez. Donc voilà, il y aura beaucoup, pour ceux qui connaissent pas, il y aura beaucoup de phases comme ça. Où il faudra un petit peu se dépatouiller et savoir où aller. Si je me souviens bien, il y aura une fenêtre d'ouverte. Et on passera par là. Ouais, non mais... Voilà, de l'autre côté. Voilà. Oh mon dieu. À gauche, voilà. Et voilà. Alors du coup, par ici, saute, descend, en bas, et puis non, on va faire attention. Parce que je crois que plusieurs fois, j'essaie de comment. Ah bah, il y a un trésor ici. On va aller le prendre. On le voit. Hop là. Mais du coup, ouais, c'est vrai que je me souviens qu'il y avait des endroits où on pouvait pas tomber. Et je me souviens plus comment que je faisais. Peut-être en passant par là-haut. Non. Parce que là, je crois que si je tombe là, je meurs, en fait. Bon, écoutez, on va tenter. Voilà. Je le savais. Je l'avais d'ailleurs annoncé. J'y suis allé quand même. Attends, où il est passé? Non.
J'ai pas voulu sauter, mais c'est pas grave. Bon, allez, par là. Attends, où il est passé? Mais du coup, c'est vrai que je me souviens. Ah, si, il faut passer de l'autre côté, mais oui! Excusez-moi. Excusez-moi pour cette mauvaise manipulation. J'ai légèrement foiré. Mais pourquoi ça fait... Pourquoi ça fait start, j'appuie sur triangle? Donne-moi un coup de main. Ouais, 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 c'est bon. Quelqu'un voit une caisse? Parce que moi j'en vois pas. Je comprends pas. Eh merde. C'est bien ici. Oui, la porte verte, j'en suis sûr. Oh mec, on perd notre temps ici. Cette foutue mallette nous file entre les doigts. Bon allez, ils ont pas pu s'envoler comme ça, ok? Il doit y avoir une explication. On disperse et on cherche. Et moi je m'en souviens de cette petite énigme. T'es bien là. Je m'en souviens. Attendez, par contre je sais plus exactement comment qu'on fait. Qu'est-ce qu'il parle? Ah, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Attendez, je suis pas fou, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ou faut d'abord... Ah, faut d'abord faire ça. Et encore une mine. On dirait que la voiture a tourné ici. Oui, c'est ça. Hey, regardez. Vas-y. Ça. Un genre de mécanisme. Ouais, peut-être. Quatre pneus, quatre points de contact. Sully, reste où tu es. Vous deux, allez là et là. Regardez-moi ça, ça va pas être beau. Bon, ensemble, à trois, prêt? 1, 2, 3. Et ça marche pas. Hein. Attends, c'est la lumière. Sully, braque ta torche sur le mur. On va faire comme des phares. Voilà, là on est vraiment dans l'ambiance Uncharted. Toutes des petites énigmes, des petits passages secrets, des petits mécanismes. Nate, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ici? Aucun moyen de le savoir. Eh ben allons voir. Restez là, tu retournes au van. On va rester en contact radio. Je te dis quand on est passé de l'autre côté, ok? Si jamais on ressort. Tiens-toi prête à décoller. Ça pourrait être speed. C'est clair. C'est la meilleure chauffeuse dans le métier, tu sais. C'est ce qu'on dit. Allez, oust. Alors là, par contre, je me souviens plus exactement ce qui va se passer. On dirait qu'ils ont creusé dans les vieux tunnels de service. Il me semble qu'il y aura des ennemis qui vont arriver. Il va falloir... Je me souviens plus s'il y a des passages où il faut être discret. Oula. Hop là. Des passages d'infiltration dans le jeu, je m'en souviens plus exactement. On doit pouvoir se faufiler par là. Il va être content, Charlie. En avant, Garland. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Guingamp. C'est en avant, Guingamp. Ah. On pourrait se bouger un peu, là. Ça va de ton côté? Ouais, c'est super. C'est juste que j'aime pas trop les endroits étroits, tu vois. Allez, on continue. Oh, il manque. Qu'est-ce qu'il y a? Ton ignorance n'a donc pas de limite. Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi y en a toi raconter? Oula. Ah, des ennemis! Ils sont là. Tu peux pas tirer?
Bon, là par contre ça va être compliqué pour viser au début. Waouh, oui, effectivement. Waouh. Ah ouais, ah, ça change en fait. Je pensais que c'était un petit peu la même chose que sur The Last of Us, mais non, c'est vrai que c'est... C'est un ch'tio peu plus compliqué, hein. Oh. Ok, bah descends si tu veux. Oh la vache. Alors je crois qu'il faut aller par là. Il faut descendre. Attention, ça glisse. Youhou. Alors. On s'enfonce dans les égouts. Oh la vache, la taille du rat. Il y en a encore? Où ça? Ah oui. Oh la vache, eh, j'ai vraiment du mal. Dégagez. Non, non, recharge. Oh là 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 là. Alors, par là-haut. Et monte. Ah, il y a un passage, mais... C'est bien ça qu'il faut faire, non? Ah, voilà. Allez. Faites gaffe, elle arrive. Hop là. Qu'est-ce qu'il monte? Une porte. Ah voilà, encore une fois, il va falloir trouver un petit peu tout. Et comme je me souviens pas forcément de tout ce qu'il y a dans le jeu. Allez! Il va y avoir des moments où... Là encore, ça va, parce que c'est le début du jeu. Je me souviens encore de certaines choses. Et plus on va avancer, plus les énigmes vont être compliquées. Et... Je crois qu'il faut l'activer en même temps. Bah. Ah. Voilà. Oula. Ok, Charlie, réplique. Ok, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Oula. Oula, 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 oula. On l'a vu qu'il a changé d'un coup. C'est trop loin pour sauter. On va se briser le cou. Mm-hmm. Par là. Ah, bon, bah, apparemment, c'était vraiment par là qu'il fallait aller. Un petit souvenir qu'il fallait passer directement de ce côté. Saute! Métro de Londres. Ah oui! Ah oui, 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 là il va y avoir du monde après. Alors ici il faut monter. On peut peut-être passer par là. Non, il faut monter. Tu pourras pas soulever, il faut monter. C'est bloqué en haut. Attends, il y a un contrepoids là-haut, il a l'air coincé. Eh ouais, bah oui, bah laissez-moi faire, j'y vais. L'un de nous doit grimper là-haut pour voir si on peut le débloquer. Bien vu. Qui s'y colle? Moi. Moi, je vais y aller. Allez hop, on est parti. Allez, moi cette agilité, cette rapidité pour monter. Allez. Ah, il est où son mécanisme? Allez, mais continue! Pourquoi il s'arrête? Ah non, faut aller de l'autre côté. Oh, j'ai cru que je m'étais foiré. Le mécanisme. Ah oui, c'est vrai que c'est ça qui bloque. C'est bon! Ça devrait marcher. Faites-moi descendre! Ah non, moi je vais passer en haut, je crois. Oh. Allez. Ah, il aime bien se compliquer la vie. Hein. Il passe pas du tout où les autres passent. Je sais plus si je peux sauter là. Si. Oh la vache. Planquez-vous!
Infiltration, les amis. Ok. Je ne tirerai pas. Je crois qu'on va... Allez, on va s'attacher après au chandelier, là. Enfin, ouais, aux espèces de... Plus de flingues. T'es malin, toi. Et si on nous tire dessus? On fait quoi? Putain, je croyais qu'il fallait se balancer avant de... d'y aller, mais non. Apparemment... Elle saute. C'est bon. Et on descend. Main en l'air. Oh, on a dû prendre la mauvaise voie quelque part. On est dans King's Cross. On bouge plus. T'es à moi, toi. Ouf. Tape-le. Mais fais quelque chose. Ah bah voilà. Bien joué, mon pote. Ok. Ouais, bravo les gars. Hein. Vous avez servi à rien, c'est bien. Tiens, voilà ce que j'en fais de ta caisse, moi. Tiens. Tiens. Alors, par ici. Descends-les discrètement. Oh là, ouais, mais bon. Tiens, oh la vache. Bien joué, mes petits. Oh la gueule dans le mur, le pauvre. Ici. Ah, il a pris cher. Hein. C'est magnifique. Époque Tudor, 16e siècle. Époque Tudor. Ah, je peux plus, je veux de nouveau plus courir. Mais je crois qu'il y a des ennemis de l'autre côté. Par ici. Doucement, Nate. Ah, ils vont être par là. Amenez-vous. Non, sérieusement. C'est qui ces types? Je ne veux pas entendre vos excuses. C'était un franc-tireur et vous auriez dû le savoir. Oui, c'est regrettable, mais... C'est pas regrettable. Stupide. Votre erreur de jugement aurait pu nous coûter très cher. 400 ans de recherche. Enfin, Drake et son secret sont à ma portée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est un faux. Quoi? C'est pas possible, j'ai vérifié moi-même. Ce n'est pas la bague. Merci. Je l'avais dans les mains. Je l'ai vu la mettre à son cou, c'est insensé. Nous avons été trompés. Cutter. Vous montez la garde et vous restez en alerte. Ils nous ont peut-être suivis. Vous, venez avec nous. Trouvez-les et rapportez-moi cet anneau. Et je ne veux pas savoir comment. Jamais tu l'auras. Il est à moi! Nous l'avons trouvé! C'est mon précieux. Oula, ouh, va falloir être furtif là. Je crois qu'il va falloir lui sauter dessus. Hop là. Oh yeah. Oh mon dieu. Et tiens. À terre. Il y en a d'autres? Ah bah non. Un livre. Regardez-moi tout ça. Hey, allez, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais.
Qu'est-ce que tu... Vous savez ce que c'est? C'est un livre, il y en a plein ici, c'est une bibliothèque. C'est pas n'importe quel livre, Einstein. Il est à T.E. Lawrence. Lawrence d'Arabie. Ouais, je sais qui c'est. Posté de Dorset le jour de son accident de moto. 13 mai 1935. Ils l'ont sûrement tué dès qu'ils l'ont eu. Ils? Oui, ils, eux, ces types, quels qu'ils soient. Oh non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'était un accident. Des témoins ont vu une voiture noire heurter sa moto. Les gars? Oh, quelqu'un a étouffé l'affaire. Possible. Nate! Quoi? Ça fait 20 ans que t'attends d'avoir ce truc entre les mains. Ouais. Il est content. Alors, voyons voir. L O H E N. Le Vision. Ah, ça dit quoi? Long Hidden. Quoi? Chut. Tu rigoles, caché depuis longtemps, c'est une blague. Le prends pas mal, mais ton ancêtre était un bel enfoiré. Fermez-la, c'est un anagramme. Golden Hind. La biche d'or. Le navire de Drake. C'est un indice. Un truc doit être caché dans cette pièce. Ouais, et je sais où il est. Cherchez bien. Regardez où est-ce qu'elle est la biche d'or. Elle est juste là. Ici. Alors par contre, comment qu'on y va? Comment qu'on y va? Je ne m'en souviens plus très bien. Je sais qu'il faut passer quelque part. Ça devrait être ici. Voilà. Allez! Il va falloir sauter. Saute! Allez, au-dessus. Eh bah tiens, la biche d'or. Oh. Oh merde, c'est un piège. Oh non, à couvert. Oh, c'est horrible, la sensibilité. Ah. Je changerai ça après. Oula, 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 oula. Le papier. Ils sont vraiment nuls en face. Et là, vous avez pas besoin de mon aide. Oula. Ah, j'ai cru qu'il avait dit prenez les journaux. Ah, mais j'ai pas de balles, moi. Chargez. Allez, mais tape-le. Tiens. Oh, je lui ai cassé le bras. Oh, bah tiens. Tiens. Voilà, on les enchaîne, pas besoin d'armes. Je déballe. Bon, j'ai repris plein de munitions. Allez, allons-y. Va-t'en. Là, je crois qu'il va y avoir plein de monde ici. C'est un tout petit peu sombre. Allez, mais cache-toi. Waouh. Ah, puis j'ai pas de grenade en plus. Waouh. Attendez, je vais changer tout de suite la sensibilité parce que là c'est vraiment horrible. Hop. Ça devrait aller mieux pour viser. J'ai changé? Oui. Reprendre. J'ai pas trouvé de différence, mais c'est pas grave. Pour échapper au laser. Viens là! Oh, Stanley me dropkick! Au secours! Ah, ça va être trop maintenant, je vais être habitué à la sensibilité d'avant. Allez, mais! Tape-le! Voilà, mange. Ah, maintenant ça risque d'être trop élevé. Aïe! Il est où? Ah, il est là-haut.
Waouh, waouh, waouh. Eh, dis donc. Dis donc, ça va être marrant, ça, de viser. Allez, cours. Bien joué, ça. T'es un champion. Ouais, bah écoutez, je vais me battre comme ça au corps à corps. Hein. J'ai un petit peu de mal avec le pistolet, donc attends. Ah bah voilà, ça devrait aller mieux, ça. Ouh. Ah non. Oula, j'étais prêt, là. Attendez, juste 2 secondes. Ah, je vais baisser. Voilà, je vais juste augmenter un tout petit peu. Allez, c'est bon, je vous embête plus avec l'insensibilité. Ça devrait être pas trop... Wow, ils sont beaucoup. On peut pas changer de... Meurs. Qui c'est? Au-dessus. C'est celui-là qu'il faut tirer. Hein. Je suis en train de me dire sur lequel il faut que je tire. J'essaie de viser la tête, mais pas simple. Hein. Montre-toi. Voilà, bon bah, hein, tant pis. Il est où le dernier? Il est déjà mort? Ah oui, il y en a là-haut. Mais il me semblait qu'on pouvait ramasser des grenades. Oh. Les copains, j'aurais un petit peu besoin de votre aide quand même. Il n'y a pas des grenades à ramasser quelque part, hein. Ah, je crois qu'on meurt du premier coup avec le laser. C'est un sniper. Mais on le voit pas avec la fumée, celui-là. Ah, c'est bon, il est parti. Par là. T'arrêtes, toi. Hein. Mince. Je vais juste recharger. Dun, 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 dun. Boum. Wow. Hey, y a une échelle. On s'en sort bien. On s'en sort bien. Meurs. T'es pas mort, hein. Allez, termine-le. Et voilà. Allons-en. Fuyons. Ah, d'accord, c'est pas par là. Encore des trucs laser, là. On peut pas les avoir de par là. Non. Mais il n'y a pas une touche pour changer de côté là. Wow. Chargé. Aidez-moi. Oh, le temps que j'arrive à viser, ils l'ont déjà buté. C'est gentil les copains. Mais vous me faites passer pour... Mais c'est vrai que c'est pas simple, je me souvenais plus que c'était aussi compliqué à... viser. Oh, attendez, je vais vous lancer un petit quelque chose. Bon, ok, bah, ça servit strictement à rien, cache-toi. Montre-toi. Montre-toi. Je sais pas s'il est mort. Mais... Il est pas mort. Toi. Non, c'est un gentil. C'est notre copain Charlie. Sur qui il tape? Ah mais il y en a encore derrière. Laisse-moi, toi, tu vas te prendre une déculottée, ça va te faire tout drôle. Tape, mais aidez-moi, il est juste là. Voilà, au revoir. Hop, et je prends ton arme. Ça, c'est la classe. Non. Ouais. Oh, ils sont résistants, quand même. Allez, on prend notre temps. Hop là, une balle dans la tête. Et on n'entend plus. Au revoir. Et toi? Tiens!
Voilà. Au secours. Au secours. Le petit saut. Là-haut, allez. Prendre du coup, je sais plus où est-ce qu'on va ressortir. Quelqu'un a une idée? Ok, faut que je m'occupe des gars. De quoi un cadenas? Oui, bah vous pouvez tuer, vous avez aussi des flingues. Hein. Ouf. Bien joué! Bien joué, Chloé! Oh le feu rouge! Oh le feu rouge! Assassin! Et là, la poule dit: oh super, je crois bien que je couvre quelque chose. Santé. Je pense que ta blague était nulle. Tu te joins pas à nous, chérie? Si. Si. Cette carte nous le prouve. Drake a pas perdu son temps dans les Indes pendant 6 mois. Il a filé tout droit vers l'Arabie. Ouais. C'est là que c'est intéressant. Vous voyez ça? C'est la signature de John Dee. C'est qui, John Dee? John Dee, un des plus proches conseillers de la reine Elisabeth. Tout le monde sait ça? Oui, oui. Mathématicien et navigateur hors pair. Un avant-gardiste. C'est sûrement lui qui a inventé ça. Féru de sciences occultes et de tout un tas d'autres trucs bizarres. Et il signait toutes ses lettres à la reine avec ce symbole. Il était ses yeux. 12007, là, 007. Et pas vraiment utile. Donc, John Dee qui a envoyé Drake en Arabie. Oui, il semblerait. Dee et Elisabeth. Et Walsingham. Bon, mais pourquoi faire? Je donnerais beaucoup pour connaître la réponse. C'est là que T.E. Lawrence entre en jeu. Avant que Lawrence devienne Lawrence d'Arabie... Super film. Il était archéologue. Même enfant, il était obsédé par l'histoire. Surtout les chevaliers et les croisades. Il a voyagé partout et a répertorié chaque site des croisades. Tout est là. Attends, tu m'as perdu en route, petit. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec Drake? J'y arrive. Après la guerre, Lawrence a dit que s'il retournait un jour en Arabie, ce serait pour trouver un endroit appelé l'Atlantide des Sables. Les légendes foisonnent, mais on lui donne plusieurs noms différents. Ubar, la cité des 1000 piliers, Hiram. Mais le récit est toujours le même. Oh, une cité aux richesses immenses, détruite par les dieux pour son arrogance. Englouti pour toujours dans les sables du désert Rubal Kali. Juste ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les richesses immenses. Je pense que c'est pour ça. Moi aussi. Que tu m'as dit ou envoyé Drake là-bas. C'est clair. Et surtout, c'est ce que Marlowe recherche. Bon. Mais si Drake a été envoyé par la reine pour trouver cette cité perdue, pourquoi tous ces secrets? Il s'est quand même donné beaucoup de mal pour que personne apprenne ce qu'il a trouvé. Pas même Sa Majesté. J'en sais rien. Oh, pardon, redis-moi ça. Attends une seconde. Excuse-moi, mais la dernière fois qu'on est allé à l'autre bout de la Terre pour trouver une cité perdue, ça n'a pas été de tout repos. Mais là, on a les cartes en main. Regardez, Drake avec la moitié des indices. Et Lawrence, l'autre moitié. Nous, on a les deux. Et Marlowe, rien du tout. Le seul problème, c'est le désert Rubal Kali. Ce truc fait 1000 kilomètres de large. Les Bédouins eux-mêmes le contournent. Et même si on savait où aller, ce qui n'est pas le cas, on mourrait avant de tomber dessus. Une seconde. Vous voyez ces symboles? Ouais. Ça ressemble c'est à du saber. Oui. Les croisés recherchaient cette même cité perdue il y a 1000 ans de ça. Mais de tous les sites que Lawrence a documentés, il n'y en a que 2 qui comportent ces symboles. L'un est en Syrie et l'autre en France. Ah. Non, vous allez en Syrie et nous en France. Si on trouve ces indices, on trouvera la cité perdue de Lawrence. J'en suis sûr. Et après, comment on va traverser 1000 kilomètres de terre désertique? C'est au milieu du désert. Donc, techniquement, c'est 500 kilomètres. Oh. J'en sais rien, on trouvera un moyen. C'est rassurant. On pourrait en parler une fois sur place. Voilà. Alors? Pourquoi pas? Je suis partant. La France! Bon sang! Quelle odeur atroce! Oh! On s'y habitue. C'est comme tout. C'est quoi ça? Chut!
On dirait qu'on va continuer à pied. Quoi ? Il y a vraiment que toi pour trouver une jungle au beau milieu de la France. Au moins, on se dirige dans la bonne direction. Le château est par là. C'est pas loin. Dunaire. Ouais. Hey, Dunaire, papy. Pas trop loin. Bon allez, bah écoutez, du coup, on va se laisser ici, ça vous fera 30, un peu plus de 35 minutes de vidéo, donc j'espère que ça continue à vous plaire, on a encore une fois eu pas mal de cinématiques, mais cette fois-ci, on va être lancé dans le feu de l'action. N'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire si ça vous a plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour l'épisode 3 sur Uncharted 3, justement, ciao tout le monde.